Bonsoir ma chérie. Bonsoir. Moi c'est Auguste. Et moi c'est Nadej. Pardon? Nadej. Oulala, joli comme ton prénom. Merci. Ok Nadej, on t'accuse déjà, c'est par rapport à notre chaîne YouTube Rago Jeune que tu vois là. Nos internautes et moi aimerons savoir ceci. Lorsque tu as envie de faire, qu'est-ce le premier qui passe dans ta tête? Is as a woman, when you feel, you know what I mean. When you feel as doing it, where do you go? You want to tell me now, eat, where do you go? Hey, I go and meet my guy. Okay. You go and meet your guy. We are going to assume what if. Lorsque tu as envie de faire. Envie de faire, non? Tu vois un peu, non? Les petits trucs là. Qu'est-ce qui passe dans ta tête? Où est-ce que tu pars d'abord? Lorsque j'ai envie de faire, bon. Si j'aime ma compagne, on le fait sans tout soit en solo. Il n'y a pas. Si tu n'as pas de compagne, qu'est-ce que tu fais? Si je n'ai pas de compagne, j'essaie là où aller discrètement. Continue. Déjà, c'est par rapport à notre chaîne YouTube Rago Jeune que tu vois là. Nos internautes et moi aimerons savoir ceci. Lorsque tu as envie de faire, qu'est-ce le premier qui passe dans ta tête? Lorsque j'ai envie de faire, qu'est-ce est la première pensée qui passe? Le lieu où, avec qui tu veux faire, tout ce qui passe dans ta tête, donc tout ce qui passe dans ta tête, tu dis seulement. Mais qu'on utilise d'abord le préservatif. Le préservatif. Le préservatif. Continue. Et après, on part dans une chambre. Dans une chambre. Ah oui. Ok, bon, et lorsque tu as envie de le faire, ton conjoint ne veut pas, qu'est-ce que tu fais? Comment tu gères ça? Bon, je cherche à m'abstenir. Donc, je cherche à me contrôler. S'il ne veut pas faire, bon, je me contrôle. C'est ça. Tu te contrôles simplement? Je me contrôle, oui. Mais moi, je pensais que tu allais penser à un gigolo là. Tu allais prendre un gigolo là, tu allais chercher à. Parce qu'il y a un internaute qui disait ça. Non, je me contrôle s'il ne veut pas faire. Bon, et si c'est comme ça pendant un mois? Tu vas te contrôler pendant un mois? Non, je vais lui demander la raison pour laquelle lui il ne veut pas faire. Je lui demande juste la raison pour laquelle il ne veut pas faire. En conclusion, tu vas dire quoi à nos internautes? Ce que les internautes veulent savoir, tu vas dire quoi? Que si j'ai envie de faire, je fais mon internaute dans une chambre. Et si mon gars ne veut pas faire, tu te contrôles, c'est tout. Non, nous. Bon. Bon, ensemble, évitons de faire les rapports sexuels avec plusieurs gars. Si ton gars ne veut pas faire, abstenez-vous. Contrôlez vos émotions. Vous avez vu, Sangui, regarde la caméra. Tu sais. Lorsque. Regarde la caméra. La caméra veut te voir. Il veut voir le poste pour le visage ici. Je dis ceci. Oui. Chez nous, les filles. Lorsque un gars refuse de faire les rapports sexuels, bon, donc on ne couche pas avec tous les hommes. Plus qu'il y a même les maladies dehors. Si ton gars refuse de faire les rapports sexuels avec toi, tu te maîtrises et tu lui poses la raison pour laquelle il refuse de faire les rapports sexuels. Si c'est pour une raison valable, tu cherches à rentrer par derrière et réparer ton erreur. Un peu ça. Tu dis la vérité, non, Sandrine? Ah oui, Nadej, pas ça. Nadej. Ah oui, je dis la vérité, c'est okay, ce que je fais. Okay. Je te remercie. Tu vois, je confirme, il y a les prénoms. Oh là là, merci beaucoup. De rien. Tu m'appelles ça et toi? Moi, c'est Tiako Sinclair. Ok, enchanté Sinclair. Oui. Ok, Sinclair, si on t'accoste, non, c'est par rapport à notre chaîne YouTube, Rago Jeune. Nos internautes et moi aimerons savoir ceci. Lorsque tu as envie de faire, non, tu vois un peu, non? Les petits trucs là, qu'est-ce qui passe dans ta tête? Où est-ce que tu pars d'abord? Lorsque j'ai envie de faire, bon, si j'aime ma compagne, on le fait sans tout soit en solo. Il n'y a pas,
Yeah. Okay. Mm-hmm. Si tu n'as pas de compagne, qu'est-ce que tu fais? Si je n'ai pas de compagne, je sais là où aller discrètement. André! Continue. Où donc les internautes veulent connaître ça? Sur ce que les internautes veulent savoir. Si je me dis alors là, c'est grave. C'est que j'ai décoré ma vie. Les internautes veulent ça. Si tu vas pas chez ta copine, tu n'as pas de copine, tu veux faire. Tu pars où? Chez les bordels. Ah, c'est trop grave. Parce que c'est le seul endroit que moi je vois. Que nous, qu'est-ce que internautes vont voir? Parce que tu n'as pas de copine, tu veux faire, tu pars où? C'est que là-bas. Oui, même en route, ça se négocie. C'est pas qu'on passe sur les bordels. Même en route, on appose une de ces conquêtes-là. Si elle est intéressée, on va là où on peut aller. Ça, ça, ça. Tu as ce qu'on appelle les balles perdues. Alors, on appelle ça les balles perdues. Oui. La roue de secours. La roue de secours, voilà, effectivement. Tu parles avec la roue de secours. Et te remercie, Sinclair. Merci beaucoup. Selon toi, quand tu as envie de faire, quel est le lieu qui passe dans ta tête? Ma chambre. Ta chambre? Oui. Et avec qui? Avec ma femme. Ta femme? Oui. Ma copine, bon, pour dire que... Continue. Si ce que je suis marié, c'est le moment avec que j'aimerais faire, mais pas avec une autre personne. Donc c'est toujours avec ta femme quand tu as envie de le faire? Oui, parce qu'il faut être un homme positif pour cela. Bon, et s'il arrive que tu veux faire et ta femme ne veut pas faire le jour, là, tu fais comment? Mais tu restes comme ça, tu t'abstiens. Ah bon? Oui. Donc tu n'as pas peur, que ton truc là se... Non, c'est une envie que tu peux libérer de ta tête. Bon, s'il arrive que... Un mois, tu as envie de faire, tu vas t'obstiner pendant un mois. Non, là maintenant c'est différent. Un mois, ça veut dire que ta femme te trompe. Ouf! Si ta femme ne fait pas l'amour avec toi pendant un mois, ça veut dire qu'elle te trompe. C'est que c'est plus ta femme. Donc tu penses que pendant un mois, une femme ne peut pas faire pendant un mois? Oui, une femme normalement doit s'abstenir pendant un mois parce que pendant un mois, elle règle ce qui est sûr. Ce qui est sûr, quand ça quitte, ce qui est sûr, c'est qu'elle est apte à faire l'amour. Donc je peux l'excuser pendant peut-être un mois, mais après les un mois, c'est plus possible. C'est ça que je te dis, donc que pendant les un mois, comment est-ce que tu vas gérer ton âme? Je vais m'abstenir comme je te disais tantôt. C'est pas quelque chose qui est dans, c'est quelque chose qui est dans la tête. C'est quelque chose que tu peux tuer l'esprit. Quelque chose que tu peux tuer l'esprit. Quelque chose qui est dans ta tête, donc tu peux t'abstenir à ne pas faire l'amour ou tu peux. C'est les gens qui sont pas costauds dans la tête. Ils sont toujours en train de voir qui veut toujours faire l'amour quand c'est impossible en fait. Mais il y a aussi le savon, non? Tu vas penser au savon. Bon, là j'ai plus l'âge là, c'est ça le problème. Ce que tu as envie de faire, quel est le premier lieu qui passe dans ta tête? Pardon? Lorsque tu as envie de faire, non? Quel est le premier lieu qui passe dans ta tête? L'école. Je suis enceinte. À l'école. Fait. Oui. C'est quoi? Bon, quand tu entends fait, qu'est-ce qui passe dans ta tête en premier lieu? Je sais pas. Continue. Bon, qu'est-ce qui passe? Bon, ce qui passe dans ta tête, tu dis seulement, qu'est-ce qui passe dans ta tête quand tu entends fait? Tu penses à quoi? Fréquenter. Je comprends plus rien. Fait quoi? On fait fréquenter. On dit fait fréquenter. Ah, ok. Fait mes études. Fais tes études. Bon, après les études, en quoi? Second lieu, c'est quoi? Mon avenir. As a woman, when you feel, you know what I mean. When you feel as doing it, where do you go? Eat. You want to tell me now, eat. Where do you go? Hey, I go and meet my guy. You go and meet your guy. We are going to assume, what if that guy of yours is not in town? What are you going to do? By the way, I cannot date a guy that is not close to me. Talking about close to you, what if he travels for business purposes or funeral, occasion, ceremonies? I just make sure I don't think of it. I believe if I don't think of it, I will not have the urge for it. And you know that's something that even if the mindset comes on, you cannot stop. So thinking of it is not the right way. I just want you to tell me what you would do. Your question, please. I said thinking about it is not all about it.
because that is something that we cannot stop. The feeling comes without you knowing, so you cannot stop it. I just want to know your reaction, what you would do if that feeling comes and he is not present. I'll do nothing about it now. I'll just try to do any other thing to keep myself occupied. What are those other things that you try to do, please? Be precise. Thank you. Okay, I believe each time maybe I'm doing something, I'll not have the mindset to think of it. So I have no problem with it. Wow. Okay, thank you. That's your opinion. What other general opinions you have to tell the youth out there? I believe about this particular topic. I believe all youth should be like, let them be active, let them have things to do. Because maybe if you're busy, you're not like the mindset of thinking about that. So that direction will not be easy. You will not come your way. All right. Thank you so much for your contribution. Bye.